T'es là. T'es là. Tu es dépendant de qui? Quand même pas mal dépendant de mes parents. Et puis maintenant quand même des personnes qui viennent m'aider. En fait, je dépends de machines aussi. Puis en fait, je suis ventilé 24 heures sur 24. Puis en fait, la machine, c'est ce qui me sert à vie. Enfin, c'est ce qui me permet d'être un peu moins dépendant. Et t'as toujours la frustration qui domine. Finalement, après, on relativise mieux dans la vie, on évolue. La maladie, tu vois les choses carrément en tournant. Et ça te montre quand même des choses intéressantes aussi. Bruno, comment vous vous présentez comme sujet dépendant? Comme sujet dépendant. Bon, alors, je pense que mon handicap, je l'ai en partie surmonté, en partie, effectivement, parce qu'il y a certaines choses qui me sont encore difficiles d'accès, parce que bon, le fait quand même de me déplacer, d'aller dans des endroits où je ne connais pas, bon, j'ai besoin de quelqu'un. Quelles sont vos plus grandes joies? En tant qu'aveugle? Moi, je pense que quand même la satisfaction de franchir des étapes dans la lutte contre le handicap, quand même. Enfin, quand j'arrive à faire des choses, je suis content. Là, on peut avoir 40 caractères. Dans le décret, dans la mise à jour, il n'est pas modifié. Voilà. Alors, il est évident que quand il y a des choses, par exemple en anglais ou dans une autre langue, j'ai quand même je préfère. Si je cherche un mot, par exemple, là j'ai un dictionnaire. Il est super ton appartement. Ah oui, oui. Je peux dire que je m'y plais beaucoup et dans un sens, j'ai de la chance d'avoir un appartement adapté comme ça par rapport à mon handicap. Parce que ne travaillant plus depuis 2 ans, je m'y sens vraiment bien. Et depuis combien de temps tu es en fauteuil roulant? Alors, mon premier fauteuil roulant, ça fait 10 ans. En sachant qu'il y a 10 ans, je marchais encore et que j'avais un fauteuil roulant en fait pour m'éviter la fatigue, donc à l'extérieur, et pour éviter aussi les chutes fréquentes qui devenaient de plus en plus fréquentes avec la perte de la marche en fait. Tu as combien de besoin de combien de personnes pour t'aider? Donc en fait, j'ai 4 auxiliaires de vie qui tournent la semaine complète en fait, et de 5 à 6 heures par jour en fait. Donc le matin pour me lever, après la personne reste tout le matin en fait pour faire tous les actes, enfin tout ce qu'on peut faire dans une maison, le repas, le ménage, le repassage, et en plus s'occuper de moi, donc le lever, la douche, et le soir, le coucher. Allez, va. Descends, c'est bon. Non, c'est bon. Tu restes comme ça, parce que... Ouais, c'est vrai, ça va pas. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Ça va aller? C'est bon, allez. Voilà, je vais t'en mettre. Vous êtes la mère de Loïc. Oui.
Qu'est-ce que c'est pour vous que la dépendance de Loïc ? Eh bien, l'indépendance de Loïc, c'est ma dépendance à moi aussi, parce qu'il faut être présent et il faut toujours aller l'aider. Mais je ne dépends pas de lui, mais lui dépend de moi. Donc c'est quand même important qu'il y ait quelqu'un à côté de lui. Et voilà. Pour nous, c'est sans arrêt penser à sa dépendance à lui, mais quelque part, nous, ça nous bloque un peu. Voilà. Alors on y arrive parce que Loïc a pris du personnel, parce qu'on a nos autres enfants qui nous aident, mais c'est pas de la tarte comme on dit quoi, c'est vraiment costaud toute la journée, plein mouché, allumé, etc. Et c'est comme ça depuis combien de temps? Eh bien Loïc a eu 40 ans, donc il s'est arrêté de marcher à 11 ans, voilà, quoi. C'est comme si j'avais gardé mes enfants 40 ans à la maison. Et quelqu'un qui a un handicap, eh bien c'est plus une personne qui va marquer toute la famille. Et tout. Il me semble que tu as dit tout à l'heure, Loïc, ça relativise sur la vie. Tu peux en dire plus ? Ouais, alors en fait, ce que je veux dire, c'est que tu vois plus la valeur de la vie, en fait. Parce que le moindre souci, le problème, ça peut avoir des conséquences importantes sur ma santé. Enfin, en fait, aujourd'hui, j'en suis arrivé à me dire presque que l'homme, il fait partie de la nature. Et dans la nature, il y a des maladies, les arbres, tout ça, tout ce que tu veux. Et des fois, ça arrive à soigner, des fois, pas du tout. Qu'est-ce que vous apportez aux autres ? Actuellement, j'accompagne Ernest à l'église Saint-François une fois par mois. Et ce qui est peut-être encore plus important, une fois par mois, je vais dans une maison de retraite. Voilà, j'accompagne également la messe une fois par mois. Et là, je pense qu'ils sont contents. Je crois qu'ils sont contents, vraiment. Ça, c'est une satisfaction. Bon, je fais partie d'une chorale. Mais la chorale, là, c'est pareil. Je fais un peu de musique quand j'étais petit. Bon, maintenant, j'aide. C'est un peu pompeux, mais enfin, je suis chef du pupitre. Donc, quand il faut apprendre une partition, il y a la chef de chœur, bien sûr, il s'en occupe, mais de temps en temps, elle nous met un pupitre pour que ça aille un peu plus vite. Donc, là, chez les ténors, enfin, c'est moi. Alors, elle vient ici, elle me dicte la partition en braille, elle me la chante, j'enregistre, hein, bien sûr. Et puis après, je travaille, hein, parce que ça se fait pas tout seul. Mais bon, après, quand je vais à la répétition et que je sais qu'il y a un travail en pupitre, je donne un coup de main. Bon, je pense que c'est quand même pas mal. Et Karine, quel est ton moteur, ton carburant, ta raison de vivre ? Est-ce que quelquefois, tu n'es pas découragée ? Je vais te dire, vous arrivez à une période de ma vie qui est plus difficile, où j'ai un peu moins de joie de vivre, depuis que j'ai perdu mon travail, donc on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que ça s'est fait d'une façon brutale, et voilà, et du coup de se retrouver du jour au lendemain sans travail quand on a un handicap, ça a des répercussions beaucoup plus importantes en fait. Parce que pour moi c'était un moteur, le moteur de pourquoi on se lève le matin, pourquoi on aide à me préparer, pourquoi je me fais belle, pourquoi je me maquille, pourquoi je... Et ça depuis presque 2 ans, j'ai presque plus quoi. J'ai plus de motivation que j'avais avant. Alors qu'est-ce qui remplace ? Quel est aujourd'hui ton carburant ? Si, il y a mon entourage, je suis très entourée, donc j'ai de la chance d'avoir ma famille qui est présente. J'ai beaucoup d'amis, j'ai mes auxiliaires de vie qui sont là, qui m'aident à vivre, à être autonome.
Tout ça fait que, que je suis là, que j'ai plaisir d'être là aussi. Et si vous aviez un rêve ou un souhait? Un rêve, un souhait. Eh bien, alors par exemple, recouvrir la vue. Mais en fait, c'est pas. Non, moi, bon, c'est pas, ce serait pas mal, c'est sûr. Mais en fait, le souhait, le souhait, c'est que, bon, je suis étant plus près du tombeau que du berceau. Eh bien, mon souhait, c'est de mener une vie jusqu'à ma mort et la plus épanouie possible, la plus tranquille possible, mais la plus riche possible pour moi et pour les autres. Après, et bon, voilà, sans trop de douleur, hein, parce qu'effectivement... Non, mais c'est ça, mais disons que, voilà, une vie pacifiée, une vie... Mais pas forcément, disons, la vue, bon, c'est important, mais eh ben, je ne sais pas si, si j'y gagnerais. Hein. C'est pas si évident que ça. Ben, mon souhait, en fait, c'est des choses inaccessibles. Mais bon, t'aimerais être comme les autres. Mais bon, le souhait principal, ben, c'est de ne pas être malade, en fait. Un super rêve, de remarcher, bien sûr. Remarcher veut dire guérir. Le souhait que toutes les personnes différentes puissent accéder à tout. À tout, au transport, à la culture, au travail, à la sexualité. À tout ce qu'une personne soi-disant normale veut accéder.